Le style graphique a l'air déjà pas mal, hein. Salut à tous, c'est Dudu et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte, comme vous pouvez le voir, donc sur Bastion. Et on va y aller. C'est un jeu qui m'intriguait plus ou moins, mais bon, sans plus. Mais vu que y a eu une promo il y a quelque temps, je me le suis pris ce jour-là. Ben voilà, j'ai joué. Il a continué, mais vraiment j'y ai joué 30 secondes voir si ça marchait. Vu que j'étais avec un écran 36 cm, je me suis cassé les yeux dessus, je fais c'est bon. Je ferai une petite vidéo plus tard. Voilà, on va redémarrer une nouvelle partie. Ça sera plus simple. Alors n'essayez pas de lire ce qu'il y a en bas, il n'y a rien d'écrit, hein. Je sais pas ce que va donner la capture vidéo, mais en bas il y a. Voilà, là il y a quelque chose d'écrit. Si vous arrivez à lire, c'est bien. Donc je vais essayer de suivre en même temps, mais bon, le peu de temps que j'y ai joué, cette voix m'a saoulé, hein. Alors, hop là. Ouais, j'ai fait vite fait les premiers combats, tout ça. Mes premières impressions n'étaient pas terribles, hein, donc j'attends quand même de voir un peu. Après c'est très qu'est-ce que c'est, marteau, d'accord. Touche B pour attaquer, d'accord. Donc ouais, je sais pas, c'est très joli, hein. Je suis d'accord qu'il y a un joli style graphique, même si c'est un peu trop, c'est quand même un style manga que moi je porte pas spécialement dans mon cœur, hein. Allez, ta gueule. Se faire emmerder par des rochers. Aïe. Ah là, là il y a un méchant a priori. On va essayer de le défoncer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est ma vie ça? Ah peut-être, ouais. Si je tape dans les trucs qui explosent, j'ai ma vie qui a baissé. Bon, je sais pas, bref. Voilà, c'est. J'ai quand même très peur que ça soit ça tout le long. Vous voyez là, taper dans des trucs. Bon, alors là, c'est le début, hein, donc. Je m'inquiète pas non plus, je me dis que ça va un peu se varier, mais ça me ferait chier d'appuyer sur un bouton tout le long du jeu. Ah, il y a deux boutons parce qu'on peut faire des roulades pour esquiver. X, ça sert à rien pour le moment. Y, ça sert à rien. Les gâchettes, ça sert à rien. Bon, je vois qu'on ramasse des. Ah, X, ça servira a priori, puisqu'en bas, je vois. D'accord. On peut tomber alors. Ok, bon. Ben, je suis tombé. Et la petite voix apparemment suit ce qu'on fait. Merde! C'est quoi ça? Voilà, j'ai le X. Ah oui, voilà, c'est vrai. X, on peut tirer. J'avais vu ça. Et donc j'aurai RT aussi a priori plus tard. Mais bon, ce sera plus tard. Alors, je sais pas ce que ça donne la capture. Franchement, j'ai trouvé des réglages. Donc au niveau des couleurs, c'est un peu mieux qu'avant, hein. Mais vu la taille de l'écran, c'est plus petit, donc je vois pas vraiment les détails de la vidéo. Parce que oui, la vidéo de Train aura été mise en ligne déjà. Et franchement, j'avais vraiment l'impression qu'elle était dégueulasse. Donc je m'excuse encore pour cette vidéo qui était pas franchement c'était pas à son avantage. Mais attends, je peux pas j'ai vu une fontaine là, je peux pas reprendre de la vie. Bon bref, ouais, donc cette vidéo de Train le mettait vraiment pas à son avantage pour un jeu qui avait vraiment vraiment de la gueule. Et donc voilà, donc j'ai réussi en fait à réinstaller mon ancien logiciel de capture. Et du coup j'ai fait ça à l'arrache là, je suis en train de faire la vidéo vraiment encore. J'ai même pas testé le logiciel, voir la vidéo que ça fait, donc si elle est trop dégueulasse, ben je la mettrai pas, hein. Tout simplement, mais non, ça a l'air pas mal et j'ai surtout découvert avec grande joie que on pouvait régler les couleurs des vidéos, tout ça. Couleurs, la luminosité, donc voilà, pendant. J'ai fait 70 vidéos sans voir ça et voilà, maintenant j'ai trouvé ça donc. Au moins peut-être qu'on trouvera les vidéos seront un peu moins vilaines qu'avant.
Au moins au niveau des couleurs, les couleurs seront moins ternes. Enfin voilà, j'espère que ça sera mieux. Puis j'espère, encore une fois, je le dis, mais j'espère vraiment passer à la HD prochainement. He sets foot inside one of Selandia's famous watermelons. La voix, Inside, it's old Rondi, the bartender. The je trouve ça marrant collaborator who que worked with him. en fait, il raconte ce qu'on voit à l'écran, mais ben dans ce style-là, j'ai quand même préféré Train pour le moment. Où Then Kid finds c'était un his peu place in ça, the hein, show. le délire où la voix racontait l'histoire au fur et à mesure. Y a un narrateur, quoi, mais ah, voilà, ça doit être ça le bouclier. Ah non. LT pour se défendre, d'accord. Security takes him for a petty thief. Pourquoi il y a une flèche? Ah, parce que comme ça je vois. Non, je sais pas. Ah non, c'est sûrement que. Bon, je sais pas, j'ai pas Special compris. delivery for the Kid Finds. Ouais, je disais que j'avais préféré. Putain, qu'est-ce que c'est? J'avais préféré la voix de Train 2, mais déjà elle est en français donc. Dire tu. Tu peux écouter ce qu'elle dit tout en jouant, tandis que là, faudrait arrêter de jouer pour lire, enfin. Pour bien suivre l'action, faudrait. Moi, j'arrive pas à jouer sérieusement et à lire en même temps, hein, je suis désolé. Et encore moins jouer, lire et parler, donc. Là, ah, par contre, le son se coupe toujours, hein, ça c'est bien. Donc, comme ça, la voix me fera plus chier. Par contre, je vais crever là. Quoi, cette grande blague? Y pour soigner, ok. Je soigne alors. Je sens que je vais être très mauvais. Oui, le son bug toujours, donc ça c'est. J'ai pas de son. Mais à la rigueur, c'est pas très très grave vu. Merde, j'ai repris le truc, fais chier. J'ai plus qu'une potion. Ouais, ok, donc on va là. Je trouve ça. Pour le moment, je trouve ça mou. Donc bon. C'est un peu dommage. Touche à... pour utiliser la roulade. Ouais. Si tu veux. Donc on va voir. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait des critiques correctes. Et un jeu qui prend 15 sur jeuxvideo.com, c'est pas un jeu transcendant. Je me rappelle plus de la note qu'il a eu sur Gamekult. Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce que c'est? Arc. D'accord. Je sais pas trop. Ouais, ok. Ta gueule. Ouais, sur Gamekult, je sais qu'ils l'ont trouvé sympa sans plus. Enfin voilà. C'est un jeu qui a été. Fontaine, ok. C'est un jeu qui a fait partie des Summer of Arcade comme tous les ans Microsoft fait pour le Xbox Live. Il y a des petits jeux comme ça qui sont mis en avant au cours de ce petit événement. Donc tous les étés, je dirais. Si je me trompe pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lock automatique qui est pas forcément bien puisque moi je voulais tirer sur celle-là d'abord. Par contre niveau protection, je m'en sers pas beaucoup. Voilà, ça va. C'est bizarre parce que des fois on peut tomber, des fois on tombe pas, donc c'est assez déstabilisant faut dire parce que tu vas avoir l'habitude de pas tomber et à un moment tu vas tomber, tu vas pas vraiment savoir pourquoi parce que là voilà, là je tombe pas là. Est-ce que si je vais là, je tombe? Voilà. Là, je tombe. On va aller savoir pourquoi. Je sais pas. Toujours la fontaine là-bas. Je pense qu'on peut l'utiliser qu'une fois la fontaine. Ah non. Ok. Donc ouais, c'est un jeu qui a été sorti pour les Summer of Arcade. Mais je crois que c'est bon, je l'ai dit. Ça, je trouve ça très bizarre, le sol qui se met comme ça. Et ouais. Ça vaut quand même pas. Je crois que Limbo aussi avait été fait pour les Summer of Arcade et. J'ai l'impression que ça. Oula. Tornade. Comment je fais? J'ai pas suivi. Hein. D'accord. Ah, merde! Ok, donc c'est aussi une potion qui va me permettre de le faire a priori. Ah putain, ils peuvent se tirer entre eux, d'accord. Donc ouais, a priori, ça vaut pas un Limbo, ça vaut pas d'autres. Les Summer of Arcade cette année n'ont pas, enfin cette année, l'année dernière maintenant, n'ont pas été du niveau de des précédents.
Sélectionne un créneau d'armes. C'est quoi ça? Tornade, tir dans le centre. Non mais... Je te dis, c'est quoi ça? Arme de G, marteau... Ouais bah non, bah c'est bon. J'ai trois armes. Faut que j'aille à la distillerie. Non? Si, a priori. Ah non. Oh putain! Extrait de gicleur fermenté avec un arôme de pain rassis. Oui, ça me sert à mettre de la santé. Ouais, ok, tu peux transporter plus de liqueur, continuez tout de même. Ouais, vas-y, fais péter de la liqueur. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bref. Ah, c'est par là-bas. Merde. Oula. Merde, putain, je me trompe de bouton pour taper. C'est B pour taper au corps à corps et X pour X pour l'arc. On tape. Donc j'ai l'impression que la voix parle plus trop vu que je vois pas de sous-titres. Niveau ambiance sonore, bah du coup je peux pas trop en parler puisque je n'ai pas de son. Niveau graphique, c'est très joli hein, quand même. Ça, c'est sûr, c'est très coloré. Allez! Ah mais merde, je vais peut-être exploser ce truc là. Qui arrête. Voilà. Voilà, c'est mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'il n'en sortira plus. Je suis en train de me gratter. Pour ça que j'avance pas. Des petites pommes, des petites pommes. Enfin, je sais pas ce que c'est. Voilà, pour le moment, je trouve vraiment pas ça transcendant. J'avance, je tape quoi. C'est un beat'em all. Est-ce que je vais pas. J'ai même pas regardé avant, franchement. Quel genre. Dans quel genre ça se classe. Donc je veux regarder, voilà. Hein, on est... Oh! Connerie. Voilà, ça c'est très con ça. Je sais pas... Oh putain! Oh bâtard! Oh tu m'as défoncé! Oh tu m'as dé-défoncé! Oula, mais remets de la vie. Ah bah c'est bon, il est mort. Ok. Allez, crève. Foutre de ma gueule, elles apparaissent au dernier moment. Et toi, t'as qu'à tirer trois boules en même temps, enfoiré! Mais non! Quelle connerie! Allez, monte. Oh putain, mais je vais crever là, qu'est-ce que tu veux que je foute? Allez, mets de la vie! Mets de la vie! Bon, oh, là là, d'accord. Il faut taper des esquives, je suis con aussi, moi. Allez. Et je vais pas. Si, je vais soigner, hop, il y a de la potion ici. Voilà, hop, hop, ah putain, j'ai raté l'esquive, hop, hop, voilà. Heureusement qu'ils sont mous, hein. Chose lourde. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Le bestiaire est sympa. Oh, enfoiré! Ouais, t'as raison, tape sur ton pote. Ah, il réduit quand je le tape, c'est mignon. Ça va devenir une petite boulette. Une petite boulette! Soigne, soigne! Oh là, putain! Bah. J'ai pas encore chargé la page pour vous dire ce que c'est comme style de jeu à la base, à part un bit. Ah, mais attends, il est en train de péter les plateformes, j'avais même pas calculé moi. Putain d'enfoiré! Péter ça là qui sert à rien, par me casser les couilles! Ah, bâtard. Allez, ta gueule. Ah. Non. Putain. Watch. Défoncé. Terrasse. Voilà. Ah là. Et voilà. Ouais, les petits cons, là. Voilà. Alors là, faut faire gaffe. Voilà. Je sais pas ce que je récupère, mais je le récupère. Là, hop. Une petite potion. Casser les murs, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a peut-être des trucs cachés dans les murs, mais bon, je vais pas m'amuser à casser tous les murs du jeu, merde. Allez, fais péter, hop, ça sert. Je crois que ça sert à ça, hein. Ouais. Ouais, ça sert à ça. Allez, on pète tout ça. Donc, bastion, hop, on clique sur la page.
Oui, je vais sur jeuxvideo.com pour avoir les fiches des jeux parce que je trouve qu'elles sont très bien faites, hein. Donc, après, on sait que quand un jeu est noté 15 sur 20, c'est moyen. Bastion, je crois qu'il a été noté 15 sur 20. Ah, 16, donc c'est un peu mieux que moyen. Oh putain, oh putain! Il faut être réactif ici. Alors, alors, je regarde. Putain, je peux pas regarder mon PC et le jeu en même temps. Hein. Allez, fais péter la potion. Pète. Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, je viens de remarquer qu'il y avait les barres de vie sous les ennemis. Hop, hop. Ah, mais l'ennemi vole! C'est quoi cette enculade? Oui. Il est dans le vide. Oh bâtard! Esquive! Hop là. Hop là. Oh putain. Toujours plus gros. Hop. Oh putain d'enfoiré! Ah, je suis arrivé au bout. C'est le bout! Hop là! Alors, c'est un jeu de rôle action sorti le 20 juillet 2011. PS3, PC, web. Ouais, je sais pas. Et ben voilà, c'est tout. Warner Bros. Game, super édité voilà par Warner Bros. Game et développé par Super Giant Game. Ouh, j'ai débloqué un succès. La classe. Oh, c'est joli, hein, ça, y a pas. Mais par contre, je comprends pas le principe du truc qui se forme. Alors peut-être qu'on comprendra plus tard. Les plateformes de jeu, quoi. Je sais pas. Ouais, le monde il se forme devant moi. Je trouve ça bizarre. Hein. Qu'est-ce que c'est? Parle du sceau, ouais, d'accord. Je me tais, hein. J'essaie de lire comme ça vous pouvez écouter en même temps. En même temps, je parle et du coup je. Ok. Ouais. Alors, est-ce que je vais là? Il manque un bouton pour courir, hein. Parce que là il se traîne. Hop, 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 construit quelque chose sur les fondations. Donc d'accord, je pense. Ouais, d'accord. Je pense que c'est là que je dois aller à la fin. Je pense, hein. Je sais pas. Je sais pas, j'arrive d'où là? A priori, j'arrive de là. Ça va être relou de se déplacer en roulade, parce que ça va plus vite de se déplacer comme ça que de se déplacer normalement. Alors, si je maintiens A, il court pas. Si je maintiens X, il court pas. Si je maintiens B, il court pas. Ah, Y, pour changer la distance. C'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal, non, ça sert à rien. Non, ça doit servir. Ah, on peut jouer avec la croix directionnelle. Bon, ben on va aller là. Ouais. Je sais pas. Oh là là, là. Ah putain! Quoi ces conneries là? Ah, d'accord, j'ai créé une distillerie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? M'en fous, je perds pas de vie! C'est. Ah d'accord. Alors, base, ok. C'est quoi? C'est ici que les éclaireurs s'entraînaient au tir à l'arc, trouvent le. Et ramène-le ici aussi, il y aura peut-être des réserves bien utiles. Ok, ça c'est quoi? Autrefois très active. Zone terminée, d'accord. Ok! Bon, je vais essayer de comprendre un peu. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal. J'ai froid, j'ai mis un petit radiateur, j'espère que ça gênera pas trop. Je vais pas le laisser, je vais pas le laisser longtemps, mais j'ai froid. Donc, j'ai un petit souffleur d'air chaud qui est bien agréable. Voilà. Sinon, je sais pas trop quoi vous raconter, hein. Il s'éclate comme une merde par terre à chaque fois. Alors, allez, boum. Ah, ils sont noirs maintenant. Oh!
Ah, les noirs, ils ont peur, on dirait. Eh, mais c'est quoi tout ce peuple là? Ah, y en a des gros. Y en a des plus gros. Putain. Voilà. Merde. Ah non, mais ça c'est horrible. C'est horrible, horrible. Donc là, putain, mais crève. Non, mais sérieux, je vais pas passer par contre. Je dis, je vais pas passer mon temps à tout péter, mais j'ai quand même envie de tout péter. Et je suis sûr que ça sert à rien. Ah, voilà, ça faut l'éclater. Ça sert à rien. Allez! Voilà. Je sais pas à quoi ça a servi. C'est pas grave. Vu leurre quelque chose. Le leurre gicleur. Je sais pas, à utiliser quand il y aura du monde. J'ai encore failli tomber. Hop, hop, la petite fontaine. Voilà, ça va mieux. L'écran rougit hein, quand on n'est pas loin de mourir. Oh putain. Eux, je les trouve marrants. Ouais, bah, ils sont un peu cons, mais ils sont marrants. Ils étaient 4 et ils sont tous allés se foutre dans le vide. Allez, sérieux. Allez, 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 allez. Je suis tout sauf efficace au combat. Ouais. Voilà, la bâtard. Non mais putain! Oh là là, je me fais défoncer. Gueule, hop, leur gicleur, je sais pas ce que ça a fait. Je sais pas ce que ça a fait, mais. Oh putain, ils sont amoureux de moi, dis donc. Non? Ouais, je sais pas. Pas ce que ça a fait, en tout cas, j'ai claqué deux potions qui me permettent de faire des tornades. Et ben non, du coup, elles me permettent plus de faire des tornades. Ça fait de leur gicleur. La connerie, moi, je préférerais les tornades. Hein. À rigueur. Ouais, d'accord, ils sont amoureux. Bon, ben. J'ai trouvé une potion. Oh, enfoiré! Là, bah, il y a une potion. Voilà. Là, hop, petit coup de fontaine. C'est quoi ça? Chose tranchante. Chose tranchante. Ouais, d'accord. Ok. Peut-être que je trouverai plus d'armes. Ok, eux, ils sont idiots. Il y en a un là, il est idiot. Ah, mais il est amoureux aussi, voilà. Oui, il est mort. Allez, maintenant on va par là. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Pour le moment je comprends pas trop. Je vais dans les endroits inexplorés. Oh, enfoiré! Va te défoncer, bâtard! Bâtard! Ouh là, il m'a eu. Ouh là, il me défonce. Oh ben. Ah, il fait pas un pli avec l'arc. C'est pas mal du tout. Hop, ta gueule. Voilà. Hop, là, il y a une petite potion. Ouais. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. On va rentrer. On va pas rentrer. Je sais pas ce que c'est ça. Chose tranchante. Trouver une nouvelle arme pour utiliser ça. Ok. Ok. Alors, toujours pas de noyau ici. Il va falloir réfléchir. Ouh là. S'il faut réfléchir, c'est pas bon pour moi. Hein. Bah ouais. Il y a un bonhomme là. D'accord. C'était peut-être pas une. Je sais pas. Ça fait une poussière bizarre quand je l'ai tapé. Bon, à vrai dire, je m'ennuie un peu pour le moment. Viens là. J'aurais dû faire la démo avant de l'acheter quand même. Parce que là je l'ai acheté sur un coup de tête. J'aurais mieux fait de me garder les sous. J'aurais acheté Train 2. Aïe! Oh bâtard! Putain, en plus je suis con, j'avais la fontaine juste là. Ben, c'est par là? Enfin c'est par là, je sais pas si c'est par là, mais hop, une fontaine. Ah, ben, non. Si, une fontaine? Oh, non, je sais pas. Bon bref, hop, allez, on va défoncer. J'ai pas trop compris ce que c'était ces méchants. On tape. Ben, pour le moment, hein, la réflexion elle est quand même assez minime. Qu'est-ce que c'est? Capuche, ouais, ok, 100 d'XP, je prends. Hop, ta gueule, et hop,
ta gueule, capuche en loque. J'ai peut-être mal lu, mais. Allez! Ah! Arrivé dans un nouvel endroit. Peut-être un titi boss? Ah non, un noyau. Ah, un petit. Ouh là là! Ouh là 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 là! Oh putain! Disons le leur. Ouh là là. C'est mal barré. C'est très très mal barré. Aïe 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 aïe. Alors attendez. Retour au bastion? Non, bah non. Aïe, mais putain. Sérieux? Oh, d'accord, je peux pas m'approcher d'eux sans me faire défoncer. Ah bah, je suis con. Aïe aïe aïe. Il m'a défoncé. Aïe aïe aïe, il m'a défoncé. Hop. Mais non, mais. Putain. Soigne. Putain, sérieux. C'est de la bouse. La grosse merde, ce jeu. Voilà. Eh ben putain. Ah, ils sont amoureux de moi maintenant. Je vous aurais défoncé, moi. Noyau. Et voilà comment on récupère un noyau. Ouais. Vous êtes amoureux de moi maintenant. Oh, pourquoi tu m'attaques? Je crois que j'ai vérifié toutes les rues qu'il y avait, hein. Je veux pas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour rentrer. Hop, on va se remettre un peu de vie. Hop, hop. Ah, j'ai une nouvelle arme. Beaucoup plus rapide, mais moins de portée, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression que j'ai des niveaux aussi. Je vois XP. Je sais pas. Attends, si c'est juste des niveaux qui font gagner des emplacements ou je sais pas quoi. Je sais pas, ça me. Pour le moment, je reste perplexe devant ce jeu. À part être très joli, parce que c'est. On peut pas lui enlever ça, c'est très joli. Mais voilà. Je crois que. C'est à peu près tout ce qu'il a hein, pour le moment. Je revérifie que je n'ai rien oublié, mais a priori je n'ai rien oublié. J'ai tout fait. Voilà. Allez. Voilà, là, on peut pas y aller. Ah, putain, il court vraiment pas vite, hein, il se traîne. Bon, ça tremble. Ah, je pouvais le. C'est bizarre, il y a des trucs qu'on peut prendre. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Je suis désolé, je suis pas. Je ne suis pas enthousiaste plus que ça. Je m'attendais à un peu mieux, à vrai dire. Bon, et on en est qu'à. On est qu'à à peine une demi-heure de jeu, donc c'est peut-être. J'espère que ça s'améliore avec le temps, hein, parce que. Sinon, je le finirai même pas, à vrai dire. C'est rare que je me force à finir un jeu. Si le jeu me plaît pas, je vais pas me forcer à le finir, ça c'est sûr. Allez, on se lève. On va voir le monsieur. Qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur capuche en loque? Ok. On n'a pas tout le temps. Bon allez. Hop 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 là. Bon, je peux rien faire de plus, j'ai l'impression. Je pense qu'on va pouvoir construire des bâtiments en fait. Ouais, d'accord. S'en fout. Enfin, je pense non, mais je sais pas comment on débloque des emplacements. Le kit n'a pas terminé ici. Ouais. Utilise le monument. Monument. Ah oui, d'accord. Chaque fin de zone, on va utiliser le monument. Et quand on a utilisé le monument, on fait des fondations. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Que je fasse pas la même chose. Qu'est-ce qu'il a lui un truc à me dire? On verra. Là, c'est une distillerie. Bon, je peux pas faire deux fois le même bâtiment. On va faire une forge. Ok. Toi, t'es qui, toi? Gicleur? D'accord.
D'accord. Pas terrible comme nom, hein, le gicleur. Substance servant à améliorer la machette de guerre. Sélection 20% de coups critiques. Et là, attaque mutilante, attaque à dégâts continus. Ah d'accord, j'ai des sous, donc je peux faire des améliorations. Ok. Ok, je prends là bloqué et là. Ah ouais, d'accord. On peut choisir. On paye au niveau, on peut choisir entre deux trucs. Ok. Ah, le style graphique est sympa quand même. Le style graphique est sympa. Alors attendez, parce que tout à l'heure j'ai fait la carte, mais je sais plus comment j'ai fait pour aller sur la carte du jeu. On n'a pas fini ici, donc peut-être que maintenant on a fini. Voilà, c'est ça. Zone terminée, nouvelle zone. Hop, noyau localisé. Peut-être que voilà, faut localiser plusieurs noyaux. A priori, c'est la mission principale, mais peut-être qu'il y a des trucs annexes à faire dedans. Est-ce que je regarde la durée de vie du jeu? Ils sont chiants avec ça sur jeuxvideo.com. Ils disent, ils te font une section durée de vie et ils n'utilisent pas forcément le temps qu'il faut pour finir. Des fois, ils le font, donc c'est quand même bien de savoir combien de temps dure un jeu. Après, les jeux Xbox Live Arcade sont rarement. Ah, ben, il a 15 sur 20 de durée de vie. N'est pas longue. On recommencera, voilà. Ça, donc voilà, on sait pas réellement combien de temps il faut pour finir le jeu. Il y a un New Game Plus, mais bon, moi ça me fait pas rêver. Hein, quand j'ai fini le jeu une fois, je m'amuse. À moins que ça soit transcendant, je ne m'amuse pas à y revenir. Merde, je suis con. Je m'amuse pas à y revenir dessus pendant des heures. Chose dangereuse. Putain. Défense moi. Zelda style, le gars il fait le gars il taille la haie. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez hop, taille la haie, taille la haie. Ça va que l'arme est plutôt rapide. Oh putain, j'ai failli me vautrer. Ah putain, je suis con. Et par contre, ça va être chiant ces trucs de haie si ça t'enlève de la vie. Donc le noyau, il est là. Ok. Là, on va pas prendre ça. Hop, hop, hop. On va la laisser là, la potion. Putain, il y en avait, une autre. Merde. Je l'ai prise. Interrupteur. Ah, ça aurait été trop simple. J'aurais aimé, mais ça aurait été trop simple. Qu'est-ce que c'est? Je ramasse, je ramasse. J'ai bien fait de m'emmerder à toutes les ramasser tout à l'heure, puisque... Merde! Puisqu'apparemment, ça sert à... Allez, crève. Merde, 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 merde. Ça sert pour acheter les améliorations, du coup. Ouais, putain, c'est quand même bien plus rapide d'utiliser... D'utiliser la roulade pour se déplacer... Furtivement, enfin, furtivement, non, rapidement, plus que furtivement. Et par contre, avec le katana, les petits monstres bleus là, ils font plus un pli. Aïe, les caisses me tombent sur la gueule. Et par contre, mon XP, j'ai l'impression qu'elle monte pas. Prends un niveau par heure dans ce jeu ou quoi. Bon, je vous défonce, hein. Je vous défonce. Ah, ça y est, je me fais un peu défoncer. Ah putain, ça. Petit truc bleu m'englu. Et ils se battent entre eux, je rêve. Je le tape pas. Allez. Ah mais il est amoureux de moi, merde, je suis con. Petit gars en bleu, tu viens pas? Bon, tu viens pas, moi je te défonce, je m'en fous. Voilà. Oula oula. Merde, merde. Putain! Sérieux là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Encore gavé de monde. Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Et j'ai l'impression que les gars en vert, ils m'aident en fait. Hein. Merde. Oh non, mais pas des en plein milieu comme ça. Hop, on va prendre de la potion. Encore de la potion. Un petit truc comme ça. Ça c'est quoi? Épine, ok. Oh non, non, pas ça. Oh non, pas ça, pas ça. Allez, crève. Putain! C'est quoi tous ces trucs là? C'est n'importe quoi!
Allez. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Ou alors il faut. Faut supporter plusieurs vagues. Allez, crevez tous. Là, je me fais ça à l'arc. Putain, ta race. Allez! C'est fou le nombre de potions qu'il y a par terre. Hein. Je ramasse, putain. Et ces trucs qui me saoulent aussi là, c'est et. Ouais, esquive. Esquive, esquive. Hop, ta gueule. Oh putain, un boss encore. Ah, il est intelligent le boss, il tue ses collègues. Aïe, 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 aïe. T'as pas les caisses. Je m'en fous des caisses. Ça y est, je vais m'énerver là. Ah, je vais m'énerver, ça m'énerve. C'est de la merde. Crève, crève, putain. Ah, j'ai pris le noyau. Ah, je crois que j'ai pris le noyau, j'ai même pas fait gaffe. C'était en cours de combat. Ou alors il a disparu. Et je crois que j'ai pris le noyau. Ça a été plutôt rapide. Pourquoi il y a des trucs qui tombent là depuis tout à l'heure? Bon, je me casse ici. La bouse ici de toute façon. Je peux me casser? C'est quoi ce connerie là? Pourquoi je peux pas partir, bordel? Bon, je peux pas partir. Interrupteur. Merde! Sérieux, j'ai fini la zone là. 5 minutes. J'aurais peut-être pas dû aller là en premier, mais bon. Attendez, je bois un coup. Je suis pas convaincu du tout. Hein. Ah bah putain, j'ai fini la zone, ok. Allez, hop là. Monument, voilà. Je m'inquiète un peu, hein, parce que je vois le truc là, c'est rempli. Il reste un cercle plus ça. Alors attendez, parce que c'est quoi ça? Arsenal, on va aller à l'arsenal. Arc des éclaireurs. Machette de guerre, nouvelle. Merde. Ouais. D'accord. Là par contre, ça c'est de la merde. Tir d'encens, non. Salve de carreau, tornade. Prends l'arme requise en premier. Merde. Requiert un tonifiant noir par utilisation. Un éclaireur projetant des flèches rebondissantes de cible en cible. À l'origine destiné à des fins spectacle. Il a fini par. Ouais, bon, vas-y, on verra. Ouais. Arc des éclaireurs. De toute façon, c'est le mieux. Hop. Et là-bas, il y a quoi? Forge. C'est quoi? Chose dangereuse. Répéticroc. Non, c'est de la daube. Là, il y a un truc que je comprends pas. Chose lourde. Ok. Ah, d'accord. C'est que j'ai. Là, x1, c'est que j'ai une amélioration qui est faisable. Et x0, c'est que j'ai rien qui est faisable. Ok. Bon, par contre, c'est trop loin. Voilà, comme ça. Et on est reparti. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop, hop. Zone d'essai, non. Hop, un noyau localisé. Oui. Et après ça, ben ça sera fini. On aura fini le jeu. Au lieu de le mettre en découverte, je le mettrai en intégrale. Non, je déconne. Hein. Enfin, j'espère. Sinon, s'ils ont mis 15 sur 20 à la durée de vie pour une heure de durée de vie, fait mal au cul. L'aventure principale n'est pas particulièrement longue, mais on la recommencera volontiers au moins une fois. Ok. Bon, ben je sais pas, hein, mais moi, pour le moment, déjà, si je la finis une fois, ce sera pas mal. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. À part la beauté graphique du truc, suis pas convaincu du tout, du tout. C'était quoi ces éclairs là? Allez, on prend, on prend, on ramasse. Hop. Ok, il y a des plaques qui tombent. Alors faut faire gaffe. Il y a un mec qui me suit, mais je m'en fous. Voilà. Hop, voilà. Merde, merde, merde. Non, je m'en fous, vos gueules. Ah non, je m'en fous pas, ok. Hop, 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 là, tu sais pas viser.
Voilà. Ah merde, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah ouais, d'accord. Ah, il peut jeter son épée, c'est pas mal ça. Si je maintiens X, ça fait un peu Assassin's Creed avec le javelot. Où il pouvait aussi faire du lancer de javelot avec les lances dans les gardes. Ça, je trouvais ça énorme. Putain, oh putain, hop. Hop, allez, ta gueule. Voilà, hop là. Gagnant, enfin en difficulté j'allais dire, mais c'est pas non plus la difficulté de la mort qui tue pour le moment. Si moi j'y arrive, c'est que c'est pas transcendant. Je bourrine comme un enfoiré. Allez, crève. Voilà, toi aussi. Toi aussi, j'ai dit. Voilà. Là, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Skybridge. Skybridge? Ah, voilà. Ouais, super. Ça. Ouais, d'accord, très bien. Skybridge, ok, très bien. Ça apporte rien, j'ai l'impression. À part que je peux pas revenir là où j'étais. Alors, en gros, là, si t'avais un truc à débloquer là-bas, bah, t'es obligé de te retaper le niveau. Ouais! Ok. Allez, crève. Crève, crève, voilà, trois fois. Ouh, bâtard! Ouh, bâtard! Alors, on va faire ça. Ouh, putain, il est mort. Merde, moi aussi. Enfin, je suis pas mort, mais je suis tombé. Alors, j'ai plus de potions de vie. Merde, il y avait une fontaine, je suis un boulet. Hop, Skybridge. Oh, j'ai branlé, j'appuie sur A au lieu. Ah, je l'ai tué en lui tombant dessus, j'ai l'impression, le petit truc de merde là. Non, mais putain! Ouh, bâtard! Ouh, bâtard! J'ai l'impression que je peux l'attaquer avec de la roulade. Non? Ah non. C'est une hallucination. Allez, bourrine, 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 bourrine! Soit bourrine, 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 bourrine! Merde, j'appuie une autre fois sur Y sans le vouloir. Là, pour le moment, là, j'ai vraiment fait ça comme un enfoiré. Ah ouais, c'est pas mal le coup de la flèche rebondissante là ou je sais pas quoi. Hop là, on va récupérer ça. Ah là aussi, il y a une potion, très bien. Bon, ça varie quand même. Putain, qu'est-ce que c'est ces conneries? Grenade à mer, grenade de vilain. Tire des grenades. Putain, c'est de la daube! Là-bas. Ouh! Pas de la daube. Autant pour moi, mais par contre, ça utilise des trucs noirs toujours. Enculé! Oh, je suis mort! Ok. Ça, c'était gentil, ça. J'avais pas fait gaffe à ma vie, bordel. Hop là. Suis en train de me rendre compte que je fais tout ça, je sais pas pourquoi, hein, parce que j'ai aucune idée de l'histoire du jeu. Du coup, sans le son, j'ai vraiment pas. Je fais pas attention quand le mec il parle, donc. Voilà, je suis assez perplexe face à l'histoire de ce jeu. On s'en fout, franchement. Ah oh merde, il y avait un noyau et je l'ai pas trouvé, sérieux. Faut que je refasse le truc. Chier. Allez, on y repart. C'est quoi ça? C'était là? Noyau localisé, zone d'essai.
zone DC, donc il faut que je localise le noyau. Dites la forge pour changer de noyau. Merde, j'ai gardé les grenades. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être pas non plus faire ça pendant des heures. Hein. On est quoi, 45 minutes là? Ah bon? Les morts m'accueillent à bras ouverts. C'est là que j'étais il y a 2 minutes? Je reconnais pas l'endroit. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est des grenades? Putain, c'est des grenades. Ok. J'étais pas là il y a 2 minutes. Ouais, il y a des statues de pierre de mecs, mais je les défonce. Ta gueule, ta gueule. Hein? Voilà. Ok. Bon, c'était peut-être normal qu'il n'y ait pas le noyau parce que. J'ai l'impression que j'ai repris le même endroit sur la map, mais c'est pas le même niveau. Ou alors j'ai vraiment la mémoire courte et c'est le même niveau et ça je m'en rappelle pas. Mais je pense que ça m'aurait marqué toutes ces statues. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un monsieur qui est pas mort. Ouais. Bah, défoncez lui, putain! En même temps, la technique du corps à corps contre un lance-flamme, c'est pas non plus hyper intelligent. Hein. On est d'accord. Oh, j'ai pas envie de me soigner. Hop, je prends ça. Oh putain, oh putain. Je suis dans la merde. Merde, moi je. Non! Putain, j'ai fait le boulet. J'ai fait le gros boulet. J'ai un arc en plus, sers-toi de ton arc. Voilà. J'ai un arc et j'avais des potions de vie, donc ça, j'ai préféré crever. Eh mais, j'aimerais bien que le sol il apparaisse un peu plus vite devant moi. Parce que là, j'ai l'impression que des fois je vais tomber alors que le sol va apparaître. Bon, il va falloir trouver le noyau là. C'est pas tous les conneries, mais. Ah là, hop là, prends ça. Ah, une nouvelle arme. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah, c'est peut-être. Ah putain, je peux charger mes tirs, c'est vrai. Hop là, je sais pas ce que ça fait vraiment, mais bon. Ok, c'est par là. Ah c'est joli, hein. Y a pas à chier. Ça a de la gueule, même si je comprends pas vraiment l'intérêt, le sol qui apparaît devant nous, c'est plutôt bien fait, je trouve. Ça a une belle petite gueule. Putain, mais crevez! Crevez, bordel! J'aurais dû leur lancer une grenade dans la tronche avant. Noyau. Bon, ben voilà, ça a été vite fait, ça. Je suis revenu là? C'est quoi ça? Oula, oula, attends, on va lui parler. Survivant. Un survivor. Ok. Bon, ben là, normalement, je devrais. Je sais pas. A priori, je devrais avoir débloqué le bastion. Je sais pas, enfin, non, j'en sais rien là, mais le dernier portail, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais, monument. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, donc j'ai.
En fait, j'ai découvert un autre ensemble. Ok. Donc là, fondation. Je m'en fous. Pour le moment, je suis pas le truc, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, je m'en fous. Je m'en fous, je reprendrai ça un peu plus tard. Ok. Zulf. Ok. Je leur parle, mais bon. Je m'en fous, à vrai dire. Ok. Lui il fait toujours des toupies là. Bon, du coup je repars là-bas, a priori. Ouais, alors attendez parce que... Là j'ai débloqué ça, donc il y aura encore au moins deux trucs à débloquer. Est-ce que ça va s'agrandir après encore? C'est possible, hein, je sais pas. Peut-être pas, hein, parce que si je mets un bâtiment là, je vais pas pouvoir passer derrière, a priori. Donc, ou alors là. Ouais, là il y a moyen. Là. Merde, je suis tombé, j'avais pas fait gaffe. Là et là, il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs qui se rajoutent. J'ai presque envie de continuer pour voir. Puis faut dire que franchement, j'ai fait noyau localisé, voilà, hop. Allez, vas-y, vas-y. 50 minutes et puis on s'en fout, hein. On n'est pas aux pièces! Enfin, c'est... Je suis quand même loin d'être convaincu. Hein. À vrai dire, vaut mieux qu'il dure pas trop longtemps, comme ça j'ai peut-être une chance de le finir. S'il dure 10 heures, c'est sûr que je vais pas le finir. Hein. Ça va... Parce que je trouve... Oh putain, d'accord. Je trouve quand même ça assez répétitif. Pour le moment, en tout cas. Même si les environnements sont plutôt variés, là il y a du vent, mais bon, on est content. Les couleurs sont agréables, voilà, le jeu est agréable à explorer, mais le gameplay est quand même assez limité, hein. X pour taper, B pour tirer, et A pour aller plus vite, hein, parce qu'on se traîne la nouille, truc de fou. Oh bâtard! Défoncer la gueule, bouge! Ah, on voit sa vie. Il y a l'autre là, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Il a disparu l'autre? Bâtard. Il m'a feinté! Ah putain. On va changer de... On va essayer de changer de technique un peu. Hop, hop là. Oh bâtard, je l'avais pas vu. Oula! Soigne, soigne. Ah, crève. Voilà. Ah putain! Connerie. Putain, je tire dans le... Je tire dans le poteau depuis tout à l'heure, tu m'étonnes. Allez, soigne. Ah, il faut bien les charger en fait. Les tirs quand on charge, ça fait plus mal, j'ai l'impression. Ça fait plus mal, oui. Oui, ça fait plus mal. Oui. Là. Ouah, bâtard! Merde, connerie! Ah putain! Ouah! Ouah, soigne! Là, vous voyez, c'est quand même hyper répétitif comme jeu. C'est quoi? Il y a le noyau là? Je sais pas, je vois pas. Alors attendez, je vais descendre parce qu'il y a des tourelles en bas. Donc si jamais je suis amené à devoir me les faire, autant
Autant faire ça au calme, voilà. Ouah, il m'a défoncé encore! Petite potion. Mange pas de pain. Ce serait gentil. Putain, je me fais défoncer! Plus de potion en plus, merde! Et ça, c'est un jeu qui est bien fait pour niquer sa manette entre. Tu défonces tous les boutons. J'appuie sur un interrupteur. Pas... C'est le noyau, ça, c'est quoi? Ah, mousquet. Oh putain. Alors là. Ouh. Ouh là 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 là. Oh putain, oh putain. Me tuez pas. Je vous défonce, moi. Merde. Oh, bâtard. Sorry. Merde, non, on peut pas maintenir comme avec l'arc. C'est pas mal. C'est pas mal. Juste que il y a un temps entre deux tirs. Mais bon, les tirs sont assez. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais l'angle, enfin pas l'angle, mais si, enfin l'angle, ouais. Le degré de tir, enfin ouais, l'arc. Bref, ça tire sur une zone, ça tire pas juste à un endroit comme une flèche, c'est une sorte de fusil à pompe quoi. Amélioré. Ça mange 40 degrés quoi devant nous. Il y a un angle de 40 degrés qui est couvert par le tir. C'est pas mal. En soi c'est pas mal. Pour les petits cons là comme ça c'est pas mal du tout. Par contre pour ça c'est de la merde j'ai l'impression. Ah non mais attends non non ça va pas là j'ai plus de... Non non j'ai plus... Putain merde comment je fais? J'ai plus de... J'ai plus d'épée. J'ai la flèche ou j'ai l'arc? J'ai la flèche ou j'ai l'arc. J'ai l'arc ou le pompe. Non, ça va pas le faire ça. On va pas être copains les gars. Foiré. Alors, comment on peut changer? On peut pas, pas comme ça. Pas comme ça non plus. Bon ben allez vous faire foutre. Oh ça va être longué ça, cette histoire là. Hop là, voilà. Bon, le petit pompe est agréable. Hein. Et pompe plus arc, non, moi ça me va pas. Faut. À la rigueur, ouais, je préfère quand même l'arc. Hein. Parce que. Enfin, je sais pas. Je vais crever là. Je n'ai plus de vie, j'ai plus de potions. Ah, une potion. Voilà, hop là. Je vais bien par là. Tac, ok. Ok, ok. Ok. Je sais pas dans quoi je tire là, mais. Ah, ça me fait chier d'avoir que ces deux armes là. Les deux sont bien. En fait, l'arc est. Oh, d'accord. L'arc et le pompe sont bien, mais elle me suit longtemps cette boule là. Ouais d'accord, un petit moment quand même. Hop là, voilà. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Hop. Alors, faut faire attention au trou. Bâtard, il m'a défoncé encore. Ouais voilà. Chance restante, merci. Oh, et il m'a remis de la... Ça m'a remis une potion en plus, c'est gentil. Ah, ouais. Complètement. Je garde pas le pompe. Hein. Ça, c'est clair. Je vais reprendre ma machette. Est-ce que je garde ça ou pas? Non. Si je garde ça, on va rester à l'ancienne. Parce que je trouve ça quand même très bien. Bah, très efficace pour le moment, même si le pompe est bien. Oui, on s'en fout, c'est le résultat est le même. Ouais, même si le pompe est bien, je préfère quand même. C'est le noyau? Très bien. Je préfère avoir l'arc et l'épée plutôt que le pompe et l'arc. Surtout que l'arc est quand même.
hyper efficace de loin quoi. Alors que le pont peut pas du tout. Hop hop hop. Putain. Connerie. Allez ta gueule. Vous voyez l'arc est quand même. Voilà. Sur les gros là. C'est bien pratique. Bon, je commence à avoir saisi justement. J'avais tendance à trop utiliser. À trop utiliser la l'épée et pas assez l'arc, et franchement, c'est moins dangereux comme ça. Quand il y a peu de monstres mais puissants, vaut mieux se tenir loin à l'arc. Taras, 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 hop. Par contre, faut que je change de. Par contre, ça c'est de la daube. Faut que je change d'attaque spéciale. Ou c'était de la merde. C'est de la merde les grenades. C'était bien les flèches qui tirent sur tous les monstres du visible là. C'était pas mal. Je m'en fous, je trace là. J'ai récupéré le noyau donc. Non, je m'en fous, je trace. Oh, enfoiré, c'est quoi ce bordel ici là? Ah là 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 là. Hop là. Je sais pas par où il faut aller. Par là. Non? Bon. Voilà. C'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Hop là. En plus, le lancer de grenade est quand même hyper foireux. Hein. Oh putain. Et je rêvais ou ça rame là? Ah, ça rame putain. Ça daille. Waouh, 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 waouh. Ça rame. Oh c'est dur. Enfin ça rame, je sais pas parce que je dis que ça rame quand je passe dans les. Mais si il y a quand même des ralentissements. C'est méchant. C'est pas bien ça. C'est pas joli. Il y a vachement de monde, faut dire. Ouais, c'est pas une raison. C'est pas une raison du tout. Mais ça rame. Hop. Putain. Il passe tout ça là. Bordel. Je me fais agresser un peu. Un petit peu agressé. Ah voilà, je voulais ça. Voilà. Hop, 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 hop là. Les grenades sont quand même relativement efficaces. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai gagné un niveau. Mais je m'en fous de ça. Crève-le, au moins ça sera fait. Voilà. Ah putain, oui, du coup j'ai gagné un niveau. Du coup, j'ai gagné. Hop. Merde. Pas ça. Quel con. Je me suis soigné alors que j'avais toute ma vie. J'ai toutes mes gros, je m'en fous. Et puis toi, voilà. Et puis toi, voilà. Non mais oh. C'est bon là, c'est fini. Badge de shérif, ouais. Je vais prendre tout ça là. Faire attention aux trous. Je me demande quel jeu c'est. Oh putain, là il y a carrément eu un mini freeze. Quel je sais qui a mis en place ce genre de système là des sortes d'orbes qui sont aspirées, qu'on n'a pas vraiment besoin de passer dessus pour qu'elles soient attrapées. Moi je crois que le premier jeu auquel j'avais joué qui faisait ça c'était Devil May Cry. Je me demande si... je sais plus. Je dis peut-être une connerie mais... Je sais pas. Bref. 1h05. On s'en fout. On s'en fout. J'aimerais bien. Je vais refinir du coup là. Je vais faire le prochain. Voir ce que ça va faire. Je fais attention à l'heure parce qu'il va falloir que j'aille manger. Bon, ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il a, Zulf? Il pleut, dis donc. Il est énervé. Badge de shérif, on s'en fout. Shérif avait l'air bon, dit-il, était avec dignité. Oui. Pipe. Très bien. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. S'il a encore des trucs à me dire? Non. Hop là.
Là, la pipe a un truc à me dire apparemment. Très bien, mais non, elle a rien à me dire. Qu'est-ce que j'en fous de sa pipe? Allez, on s'en fout, allez, on se casse. Voilà, hop là, fondation, fait un mémorial. Nouvelle veille disponible, ouais. Hop là. Un nouveau zone d'essai, merde. Voilà, noyau localisé. Zone d'essai. Oh putain! Passe le niveau pour augmenter la limite de boisson de la distillerie. Ouais. Ok. Je sais pas s'il y avait du son pendant le chargement, mais moi je j'ai rien dit, j'ai essayé de faire le plus long blanc de vidéo. J'espère qu'il n'y avait pas de son. Comme ça vous avez eu peur, il s'est dit oh merde, il parle plus. Ouais, je fais des blagounettes. Allez. Oh putain. C'est pas utile de faire des chemins hyper étroits sur lesquels on risque de se vautrer à moindre connerie. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ouais, je crois que c'est le dernier que je fais parce que ça y est, j'en ai marre. Hein. Merde, j'ai encore pas changé cette connerie là. Je suis au bout là? Ah oui. Oui, j'étais au bout. Allez, bon, ben on va dans l'autre sens. Attends, on va taper là-dedans. Hop là. Ok, il y avait rien. Alors, ah ben on va par là. On va par là. Ah, c'est super joli. C'est mignon tout plein. Allez, ta gueule. Putain. Ah, ça me saoule ouais, d'appuyer tout le temps sur. Comme un acharné sur les boutons là. Quand même. Surtout que. Oh, bâtard, ça c'était obligé. Oh, il me défonce, il me défonce, il me défonce. Ah, waouh, défoncé. Bouge de là, bouge de là. Ah, mais putain, ça c'est de la triche, oh! Moi, dès que je vais au-dessus du vide, je meurs. Tu vas crever. Tu vas crever. Moi qui te le dis. Hein. Oh là! Temple. Presse A pour invoquer des dieux. Des ennemis grossissent plus vite pour se mouvoir et frapper. Ouais. Attention, les créatures seront plus fortes. Maintenant, je vois pas l'intérêt alors de l'invoquer. Ah d'accord, c'est juste... Ok, XP plus 10%. Non, non, je m'en fous. Je m'en bous, ouais. Je l'ai invoqué? Bah non. Oh putain de bâtard. Normalement je l'ai quitté sans invoquer. Oh là là, je me fais défoncer. Vite vite soigne. C'est quoi tous ces monstres là? Oh là 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 là. Oh putain. Là c'est n'importe quoi. Putain, je m'en fous de. J'arrive quand même à aller presque aussi vite que mes grenades et à me les manger dans la gueule. Le lancer de grenade est tout moisi hein, en tout cas. Ça tire vraiment. Enfin, c'est un coup à prendre, je dirais. Non, il y a rien. Bon, mais on va éviter de perdre de la vie connement. En tout cas, j'ai plus de grenades. Je fais comment là? Oh bâtard! Voilà, ça c'est bien pour les monstres moyennement puissants en deux coups chargés, tu les as défoncés. Voilà, ça par contre c'est de la merde parce que t'arrives pas à réellement choisir sur qui. Merde! Sur qui tu veux tirer? Connerie! Je veux défoncer ce truc moi. Voilà, hop, très bien.
Défense, je vous défonce. Ah, la vie, je vous défonce. Boum. Bah, ok. Ouais, ça c'est sûr ça. Lui aussi il me défonce. Putain. Putain. Ah non. Chier. Il est horrible lui. Je sais pas vraiment comment taper l'esquive de cette connerie de... Kid n'a pas trouvé le noyau mais il a au moins le précieux temple de Zuf. Non mais je voudrais trouver le noyau alors. Il est ici au moins parce que... D'ailleurs je me suis fait arnaquer hein. Je suis allé dans un endroit où il n'y avait pas le noyau alors... Ouais, j'ai dû me faire arnaquer. Attendez. Je vais repartir quand même. Merde! Oh, ça m'énerve ça. Voilà. Hop, crève. Soigne, voilà. J'aimerais bien récupérer la potion. Bon, je peux pas. Voilà. Bon, pas de noyau. Allez. Boum. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de noyau. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'ai quand même... C'est pas moi qui ai choisi de revenir, je crois. Je suis revenu... J'avais pas... Je pouvais pas repartir en arrière, en fait. On va quand même aller voir par là. Repartir, hop. Le temple de Zguf là, je m'en bats les couilles, moi je veux le noyau. Oh, boum. C'est relou. C'est relou de faire ça là, hop. Tout le temps des roulades pour aller plus vite parce qu'on se traîne sinon. Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord. Il y avait un petit buisson. Qui me défonce le buisson. Hein. Bon allez, on repart. Non, je m'en fous de... des plus grands défis. Je suis déjà pas convaincu. Je suis pas convaincu, mais ça fait une heure et quart que j'y suis, que j'essaie de... J'essaie en fait de trouver le truc qui tue, mais bon, non. Y a pas le truc qui tue. Hein. Limbo, il y avait en plus d'avoir une patte graphique, il y avait une ambiance et il y avait surtout quand même au niveau du gameplay, c'était qu'est-ce que c'est? C'était hyper varié. Enfin, c'était pas hyper varié, mais je sais pas comment expliquer. Ça se renouvelait bien en tout cas. Ok. Ah putain, non. Faut que je vire mes grenades de merde là. C'est où? C'est là? Non, je sais plus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Forge, ouais, je crois que c'est là. Je sais plus. Là, voilà. Grenade à mer. Ah, mais oui, non, mais je pouvais pas. Tire d'encens, voilà. Tire d'encens. Voilà. Ouais, Limbo, il y avait. En plus, ouais, il y avait la patte graphique et tout qui a fait que le jeu s'est fait remarquer. Mais avec deux boutons, puisqu'il y avait que sauter et attraper. T'avais des possibilités quand même énormes et ça se renouvelait vachement. T'avais pas un moment où tu te disais putain j'ai déjà vu ça. C'était crescendo pendant l'heure et demie quand tu connais le jeu par cœur, mais sinon il te faut bien 5 heures. Allez, 4 heures pour finir le jeu, mais si tu le connais pas, ça peut être long hein. Mais franchement, voilà, là pour le moment, ça se renouvelle que très peu. Hein. Je suis en train de bourriner quoi. Depuis tout à l'heure, je bourrine. Alors c'est joli. Je bourrine dans du joli, mais bon, voilà, ça reste du bourrinage. Donc, peut-être, j'ai sûrement raté des subtilités qui font que ce jeu est une merveille. Non, sûrement pas.
T'as pas fait un pli, toi. Donc on va essayer de trouver ce noyau, de voir ce que ça fait, et puis on arrêtera là. Je pense que vous avez compris. Mais ouais, je pense que le principe, ça va pas plus loin. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, hop hop hop. Et moi j'ai pas envie de faire un combat sur cette petite plateforme de daube là. Hop, ah, voilà, comme ça. Ah, ça marche bien ça. Pas à chier. Oh, putain, ça fait mal. Ça fait super mal. Allez, crève. Voilà. Allez, encore. Ah, oh, putain. Ouah. Non, mais en plus, ça c'est. Oh, connerie. Oui, je soigne, je soigne. Voilà. Hop, la boulette. Voilà. Voilà. La boulette, c'était la potion, hein. À savoir. Allez, ta gueule. Voilà. Hop. Hop. Oui, il était hyper actif, lui. Oui. Putain. Ah putain, il y a un effet d'optique bizarre, hein. T'as l'impression que tu glisses et en fait non, t'es en l'air quand tu te prends un coup comme ça. Oh merde! Ouais, je soigne. Je soigne! Qui doit-il tirer de là? Qui doit tirer de là? Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Boum! Voilà! Alors ça, ok. Boum. Et boum. Celui que je veux péter là. Eh hey, le mec en vert, je voudrais le niquer s'il te plaît. Ah je l'ai eu. Et il est mort, voilà. C'est hyper répétitif pour le moment. Je m'ennuie comme c'est pas permis. Non, je m'ennuie. Je m'ennuie pas mais je m'éclate pas. Franchement. C'est pas l'éclate, non. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est gentil, il m'a pété une tourelle. Le noyau, ouais! On rentre chez maman? Oh putain. Oh putain. Faut que je rentre à pied en plus, merde. Qu'est-ce que c'est? Il y a des oiseaux! Des oiseaux qui m'attaquent. Oh là, tombe pas, tombe pas. Bouge! Ouais, moi, je... C'est quoi ces conneries là? Où je vais? Fais ça. Voilà. Ah, ça marche bien. Oh, ça marche super bien. L'interrupteur. Oh, les tourelles, elles sont amoureuses. Ça veut dire qu'elles vont m'aider. Allez, on rentre. Attends, mais elles vont m'aider, mais faut pas que je sois dans leur ligne de mire. Hein. Ah, elles attaquent. Ok. Je dirais même qu'elles se font d'abord attaquer avant moi. Les flèches transpercent aussi, à ce que je vois. C'est-à-dire que si les monstres sont alignés, ils se font défoncer. Tous. Ouais, hyper efficace là, les tourelles. Ouais, forcément. Hop là. Ah, très bien. Putain, mais ils sont bizarres, ils aiment pas les tourelles, les trucs verts là. Bon, on rentre là bientôt, ça dure combien de temps ces conneries là? Quoi, je suis tombé? Sérieux? Putain de merde! Ça me saoule, hein. Allez, putain, crevez. Tous comme des enfoirés. Allez! C'est pas vrai. Ouais, conneries, ils me mettent des potions que je peux pas attraper, quoi. Pas pourquoi ça s'accélère, oui je me soigne. Ouh. C'était pas gentil gentil tout ça. Bon allez, c'est bon, c'est fini. Il y a un piaf là. Ah, d'accord, il est agressif le piaf là-haut. Te calme hein.
Oula, il revient en plus à la charge. Oh là là! Voilà. Ça marche bien les flèches rebondissantes là, sauf que j'en ai plus. Ah, hop là, on va prendre. Tac, tac, tac. Je trouve pas la sortie, s'il vous plaît. Ah ben, elle est là. Oh là 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 là. Je m'étire, hein, parce que la répétitivité, ça me fatigue. Je regarde, normalement là, je devrais avoir le troisième truc qui va être construit. Oh, j'ai même droit à une cinématique. Oh non, c'est pas fini, putain. Tu sens le mec joyeux de jouer. Le mec, oh non, faut continuer. Oh, connerie. Bah, il crève. Putain, en plus maintenant il y a des oiseaux quoi. Oh, je peux pas passer là? Putain. Allez, on appuie sur l'interrupteur. Et voilà. Je sais pas ce que ça a fait. Ah, ben ça a ouvert, voilà. C'était ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut pas prendre les petites fleurs violettes. D'accord. Je le saurai. Skybridge. Oh putain. D'accord. Donc ça veut dire que c'était pas par là. Ah merde. Je suis suivi, hein, j'ai l'impression. Oh enculé. Oh bâtard. Ah putain, et ça marche super bien. Hein. Bon par contre je sais pas où je dois aller. Pourquoi c'est pas par là? Ah, il y a l'interrupteur, je suis con. Interrupteur. Skybridge, voilà. Les interrupteurs sont très discrets encore une fois. Oh putain! Connerie. Eh mais... Ah! Eh mais il me tire dessus, eux! Oh! Oh! Connerie! Je suis en mode bulletman. Hein. Allez, hop là. Bon, ta gueule, toi. J'ai dit ta gueule. Hop là. Allez, crève. Et crève. Voilà. Ok, c'est pas par là, donc c'est par là. Hop là, interrupteur. Hop. Là, je suis plus très très bavard. Hein. Je pense que vous avez bien compris le truc. Là, j'ai juste envie d'avancer pour pas arrêter en plein milieu d'un niveau. Hein. On va arrêter proprement. Oh, putain, et je vais finir par me vautrer lamentablement. Voilà. M'occupe même plus des ennemis. C'est pas par là, faut monter, hop, faut que je me soigne. Voilà, hop, l'interrupteur, le skybridge. Hop, là, il doit y avoir un interrupteur skybridge par-ci par-là, je sais pas où. Allez, monte, monte, monte. Ah, j'ai raté. Fait deux portails que je rate. Attends, là, il y a un souci. Oh merde. Interrupteur. Elle était. Ah ouais, putain, c'est vrai, j'ai ça aussi, je suis con. Je devrais avancer comme ça. J'ai appuyé sur l'interrupteur? Interrupteur, voilà. Alors, attendez, parce que par contre, il y a un truc qui me chagrine. C'est que. Oh putain. Sérieux là-haut? Qu'il y avait un passage ici. Merde, putain, je suis un boulet. Ça a servi à rien. Ah là, il y a un interrupteur. Hop là, interrupteur. Putain, lâchez-moi la grappe! Ok.
Ça c'est quoi? D'accord. Attends, mais il n'y avait pas un interrupteur pour qu'il me mette un skybridge ici là? Ouais, non. Hop là. Attendez. J'ai un petit. J'ai un doute. Est-ce que si j'avance, il n'y a rien qui se construit? Non, là non plus. Là non plus. Non, ah non, là il n'y a rien qui se construit, non. Ok. Oh, et toi, lâche-moi la grappe aussi, hein. J'en ai ras le cul. Oh, enculé. Viens là. Ouais, d'accord, allez, ta gueule. Ah, putain, il y a une potion. Je vais la prendre parce que. Parce que je vais crever à ce rythme-là. Plutôt. C'est clair que je vais pas tarder à crever. On rentre bientôt chez mémé, là? J'en ai marre. Une défense, voilà, très bien. J'ai plus de potions. Ah, plus de potions. Les oiseaux me saoulent, hein, en fait, là. Hop. Hop là. Putain, en plus, ils sont chiants à shooter. Ok. Non, non, hop. Alors là, ouais, d'accord. Hop. Interrupteur. Skybridge. Ouais. Comme c'est varié. Voilà. Ah, on rentre chez mémé. Attendez, parce que là, il y a un truc. Journal en cuir. Hop. Hop. Ah, putain, il y a d'autres trucs. Et il faut quand même que. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh non, pas un boss. Oh non, pas un boss. Non, je veux partir. Bon, c'est peut-être pas un boss. Chanteuse. Oh, j'ai. J'ai trouvé une chanteuse. Ok. 1 heure et demie. Ouais, là. Bon, ou alors. Oui, enfin, bon, bref. Si ça me débloque le truc ultime, j'y vais. Mais sinon, on arrête là. Genre, si le fait d'avoir fini le niveau, ça fait qu'il y a juste un niveau débloqué, j'y vais. Si ça me redébloque un emplacement avec trois trucs, je rentre. Je rentre, ouais. Tout cas, j'arrête. Hurrah! Ok, bon bah c'est très joli tout ça, je suis au bastion là. C'est très joli tout ça. Oh non, il reste encore un niveau. Ah non, mais c'est parce que j'ai pas mis le truc là. Ok. On met le monument, voilà. Ok, c'est très joli. On va construire le monument. Temple, voilà. Ok, ouais, non, mais je suis sûr qu'il va y avoir un truc qui va se faire là et un autre qui va se faire là. Donc on va arrêter là. Parce que. Allez, Ruk, badge de shérif. Je sais pas pourquoi je leur parle, je m'en fous de ce qu'ils me disent en plus. Oh, les mignonnes! Même débloquer un succès. Là. Ok. Ok. Allez. C'est bon? Qu'est-ce qu'il me propose là? Un nouveau noyau. Oh ben, vous savez quoi? Je pense qu'on va en rester là. Parce que. On a quand même. C'est quand même hyper répétitif pour le moment. Donc je pense que je vais essayer quand même de le finir. Hein. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air sorcier. Mais. Voilà, c'est très mignon, c'est joli tout ça, mais je suis
quand même pas super convaincu de l'éclat que peut procurer ce jeu. Donc voilà, je vous ferai peut-être un test pour vous donner mon impression définitive. Pour le moment, je suis pas transcendé. Bon ben, 1 heure et demie, je pense que c'est suffisant sur peut-être 5 ou 6 heures de jeu au final. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.